Bonjour YouTube, c'est Chilé, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge sur un jeu Mario. Dans cette vidéo, je dois terminer New Super Mario Bros. U, mais à la fin de chaque château, une roue décidera d'une règle que je devrais m'ajouter. Et bien évidemment, pour ajouter un maximum de règles, je n'aurai pas droit aux raccourcis dans le jeu. On va donc passer au total par 14 châteaux avant d'arriver au dernier niveau. Comment cela va se passer? Vais-je avoir tellement de règles qu'à un moment je n'arriverai même plus à terminer le jeu? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, vous êtes presque 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Toi, là, qui me regarde, est-ce que t'as pas honte? Mais bon, aujourd'hui je suis de bonne humeur, donc si tu t'abonnes et que tu likes la vidéo, je suis prêt à te pardonner. Et venez aussi sur Twitch, c'est là-bas que tous les défis sont tournés en live. Maintenant que tout est dit, on peut commencer la vidéo. Alors bien évidemment, on va commencer le jeu sans règles. C'est un peu la run d'échauffement, quoi. Allons-y. Bon, ça c'est vraiment la run d'échauffement, c'est la petite mise en bouche, tu vois. C'est le temps aussi pour moi de me refaire un peu au jeu. Parce que j'ai pu jouer depuis 5-6 ans. Oh, il est trop stylé Toad bleu comme ça. De toute façon, on n'est pas obligé de ramasser les pièces étoiles pour avancer dans le jeu. Hein. Donc je peux juste aller tout à droite, foncer comme ça. Mais qu'il est facile à battre. Boum! Facile! Bon, on va devoir aller piocher la première règle du coup. Donc on a plusieurs objectifs, ils sont tous ici. Bon ben maintenant il faut juste qu'on ait un bon tirage, on va espérer. Mais attends, est-ce que je peux le faire ça, le château final de chaque monde en mini champi ça? Je sais même pas si je peux le faire à ce stade du jeu. Bah attends, je vais plutôt en prendre une autre. Je vais reprendre une autre. Ah, j'ai déjà plus le gland. Oh putain, aussitôt dans l'aventure, j'ai déjà plus le gland. Ça, c'est vrai que c'est une règle quand même assez chiante. Hein. Par contre, si à un moment, par automatisme, je prends le gland, vous me le dites. On est déjà au premier château. Ça va vite, ce jeu. Hein. J'ai plus droit au putain de gland. Ah, putain. J'ai été trop ambitieux. Première mort. Easy peasy. Retirer une règle au choix. Déjà? Ah bah, j'hésite entre plus de gland et plus de gland. On prend quoi? Je pense que plus de gland est meilleur que plus de gland. Ouais. Putain, par contre, le début du jeu sans aucune règle, c'est un peu... C'est une partie de plaisir. Voilà. Plus de bébé Yoshi. Ok. Il a fait le malin et il est tombé dans le ravin. Ah, j'ai fait encore le malin. Trop facile. Donc un champignon vie est égal à la... Ok. Ce serait plutôt si je gagne une vie, je meurs. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça parce que je trouve que l'autre est trop facile. En fait, non, ça veut surtout dire qu'il faut que j'arrête de ramasser des pièces partout, quoi. Pff, quelle pro, va. Au moment, ça va, c'est easy peasy. Par contre, il y a quand même une pièce que je serais obligé de ramasser, je pense. Ou alors, attends. Bon, bah, je l'ai pris quand même trop tard. Non, pas la pièce. Non, mais il y a des pièces partout, là. Il y a des pièces partout. Putain, j'ai plus une pièce. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis à 69 pièces, donc bon, c'est cool, quoi. Non, t'es sérieux? Il y a des pièces dans les boîtes comme ça? Bah là, si je prends encore une pièce, j'ai perdu. Bon, bah, obligé de mourir. Oh, le con! Ah là, on le coince dans un coin et on l'en...
Ouf, sauts interdits sauf ceux qui sont obligatoires. Putain. Par contre, c'est les sauts qui sont interdits sauf si obligation. Par contre, je peux revenir de l'eau quand je veux. Dans l'eau, je peux appuyer sur le bouton là autant que je veux. Oh, là le saut n'était pas obligatoire, mais de toute façon j'étais quand même obligé d'en faire un prêt. De toute façon, je suis mort, ça change. En soi, c'est pas des sauts obligatoires, mais comme je suis censé, mais comme dans obligatoire, je vois aussi le fait de ne pas mourir, ça complique un peu le tout. Ouh, putain. Surtout que j'ai fait un saut pas obligatoire. Ça va. Je trouve pas que j'ai fait deux sauts inutiles. À chaque fois, c'était pour taper Nexi, donc ça va. Plus de checkpoint. Oh, putain. Ça va piquer. Oh non, en plus, c'est maintenant qu'il y a un truc Bowser, quoi. Mais j'ai plus de road checkpoint. C'est Bowser Junior, là, qu'on doit affronter. Ok, ça va, c'est un combat sous l'eau, donc on s'en fout des sauts. GG. Mais ça, c'est pas un château pour moi. Ça, c'est un bateau volant. Donc pas de nouvelles règles pour le moment. Bon, ça va, j'aurais bien avancé sans saut. Putain, mais c'est un Koopa qui me bute, quoi. Putain, je gérais le niveau et c'est un bête Koopa qui m'arrête dans ma progression, quoi. Bah, je suis mort, hein, je viens de ramasser une vie. Bon, allez, on le passe first try, comme ça je suis tranquillou. Allez, on le passe du premier coup. Boum ! Voilà ! Et encore une nouvelle règle. Plus d'étoiles, sauf si c'est obligatoire. Oh, ok. Quand je dis sauf si c'est obligatoire, c'est dans un niveau, il y a un passage où t'es obligé de l'avoir, quoi. J'ai pas le droit d'utiliser d'étoiles, mais c'est pas pour ça que je vais me laisser mourir. Là, je n'ai pas le droit de les utiliser. Là, je l'ai pris, mais j'ai pas bougé, j'ai rien fait avec, donc ok. Putain de merde. Fuyez ! Allez ! Putain de merde ! Con ! Ok, on va se venger. Let's go ! Yes ! Nouvelle règle. Oh putain, ça commence à piquer. Si je pourrais tirer une règle, ça m'aiderait tellement. Plus de Yoshi tout court. Ok. Oh putain, il y a 3 châteaux en fait dans ce monde, je viens de me rendre compte. 3 châteaux, putain, 3 règles. Oh, j'ai ramassé trop de pièces là. J'ai ramassé trop de pièces donc c'est mort. Non ! J'étais à la fin du niveau, dernière pièce que je me mange, quoi. Bon, faut que je le passe first try, parce que là, ça commence à être tendu. Tu peux te mettre à un endroit où je peux t'atteindre, ou... Merde, putain. Let's go ! Ouh ! Oh, let's go. C'était tordu. Allez, nouveau tirage. S'il te plaît, un truc qui me fait rien. Un truc pas important. Retirer une règle, merci. Let's go, je peux enfin retirer une règle. Alors là, par contre, le choix pour retirer une règle est difficile entre one-up égale mort et pas de saut sauf obligation.
Je vais quand même retirer One Up égale mort parce que c'est trop compliqué parce que le jeu me fait reset si je perds toutes mes vies et si je reset je vais recommencer plusieurs niveaux. Donc je vais plutôt tirer le One Up égale mort. Attends, je suis sûr il y a moyen de ne pas avoir à faire ça. Ok, il y a clairement un moyen là. Ok. Ouf, let's go. Ok, du premier coup. Ça me fume comment est-ce que les boum boum je les bats toujours du premier coup. Mais que les niveaux je galère parce que bah forcément avec toutes les règles. Plus de fleurs de feu. Aïe 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 aïe. Ok, on a réussi à atteindre la fin du premier coup. Maintenant pour le boss ça va être une autre affaire. Parce que je sais plus comment Roy se bat. Ok. Let's go. Mais d'où mais je suis dessus là. Putain. Abusé. Allez, s'il te plaît, passe cette fois-ci. En plus, j'ai plus de vie, non. Là, si je le bats pas, je devrais me retaper les deux niveaux d'avant. Ok, je m'attendais pas. Je pensais qu'il allait encore faire un tour, mais GG, je prends. Je prends cette victoire. Château final de chaque monde en mini champi. D'accord, ok, mais il faudra déjà qu'on trouve où est-ce qu'il y a des mini champi, parce que j'en sais rien. Oh non! Ah bah je vais trop vite, hein, c'est mon problème. Hein. Ok. C'est quoi le boss? Oh non, c'est Kamek le boss. Oh, je suis dans la merde. Kamek est hyper dur sans power-up. Je vous le dis direct. Yes! Ah, d'avoir passé Kamek Force Try, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! C'est bon? Pacifiste. C'est horrible, les réclusions. Je peux vous dire que j'ai une concentration du tonnerre là. Yes, ok. Ok. Si je le passe du premier coup en mini, c'est incroyable. Je suis trop con, mais pourquoi j'y suis allé? J'en ai marre, vas-y, dès que j'ouvre ma gueule, je me prends un karma, mais monumental. Bon, là, legit, c'est le jeu qui m'a fait perdre, quoi. Il y a un truc qui a paru au-dessus de ma gueule, aussi. Ok. Cette fois-ci, il faut juste que je prenne le temps. Parce que la stratégie, je l'ai. Mais maintenant, il faut juste que je prenne le temps. On est marre! C'est... horrible ce niveau de mes couilles. J'en ai marre, j'ai envie de give up ce défi de merde. J'en ai marre de ce défi de con là.
Non mais... Oh let's go, j'ai fait au pif là. Oui, oui. Oh let's go. Oh putain. Enfin j'arrive à le battre. Enfin. Je passe ce château de merde en mini champi. Dis-moi juste que je vais pouvoir tirer une règle ou que je me prends rien à la limite. Plus de fleurs de glace. Oh putain. Ouais, donc j'ai plus droit à aucune fleur. Ah mais je suis en pacifiste. Je peux même pas le kill. Là, je peux même pas sauter. Je suis obligé de jouer uniquement... Attends, on va attendre que le tournevis soit parti. Voilà. Oula. Bah oui, mais je vois rien. Oula, on n'est pas passé à grand chose de la mort là. Allez, et puis à grand chose. Oula. Ouf, oula. C'est tellement tentant de les massacrer les topi-topes là. Ah oui, ok, je pense me souvenir de quel match c'est. Let's go. Ok, on reste frais. Oula. D'où je le touche pas. D'où je le touche pas. Yes. Bon, ça par contre, c'est pas un château, donc je me rajoute pas de règles. Ça sera un bateau volant. Parce que là, les psychorigides qui me diront, qu'il est réduit une règle. Bon, par contre, maintenant, ce qui va arriver, c'est terrifiant, mais le plus dur, ça va être de terminer le jeu en mini champi. Hein. Le château final en mini champi, je sens que je vais avoir envie de mourir. Ok, checkpoint, je peux pas le prendre. Checkpoint interdit ma couille. Mais par exemple, le Skull Rex, là, je pourrais pas le détruire, quoi. Il respawnerait, mais il meurt quand même, entre guillemets. Bon, par contre, là, c'est la boule de feu qui le fait, quoi, c'est pas moi. Bon, est-ce qu'on l'autorise ou pas? Parce qu'en soi, il meurt pas, c'est juste que je lui ai marché dessus. On dit que c'est bon. Oui, parce que pacifiste, c'est pas kill. Mais bon, écoute. Premier niveau passé du premier coup, bon. Il a fallu qu'on discute un peu des règles, mais au moins on l'a fait. Oh attends, non mais ça c'est impossible en run pacifiste. Enfin après c'est run pacifiste, sauf si c'est obligatoire de faire le kill. Par contre, attends, en vrai les topi-topes elles peuvent se suicider. Ouais bon, j'ai pas le choix hein. Là j'ai pas le choix, c'est limite le but du niveau. C'est le but du niveau. Oh fils de... Quoique en vrai, s'il suicide tout seul, c'est pas considéré comme un kill de ma part. Hein. Voilà, là il se tue tout seul. Voilà. Sin City was a mafia. Vals volcanique. Ah mais je crois que ce niveau je l'adorais. Oh putain, ça c'est... Ah par contre ça va être chaud. Vous savez ce qui est chaud aussi? Ma vie. Non mais je suis speedrunner en fait. Je suis speedrun Dragon Slayer, donc voilà, je suis speedrunner quoi. Bon, et... Bon, ça c'était l'échauffement, j'ai envie de vous dire. Maintenant on arrive à la vraie purge. On arrive au château final que je vais devoir faire en mini champi, sans checkpoint. Et sans saut non obligatoire. Et en pacifiste. Mais attends, c'est pas le château final ça? Le con. Mais c'est pas le château final, ça c'est un échauffement, je crois. Je veux dire, j'ai fait ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien, c'est même pas un château final. Bon, vas-y, au pire, si on arrive à le faire en mini champi, on est bien, quoi.
Let's go. Ok, on a réussi le niveau en mini-champi. Par contre, je vais devoir me rajouter une règle. Oh non! C'est-à-dire que je suis obligé de me rajouter une dernière règle pour ce défi. Ou alors, je peux tomber sur retire-en une ou sur rien. Si je pourrais tomber sur ça, parce que c'est vrai qu'on commence à diminuer au niveau des options, je prends, clairement. Allez, là, il reste plus grand-chose, mon gars. Ça change rien de toute façon, parce que je suis obligé de le faire en mini-champi, donc plus de champi, ça ne change rien, quoi. Donc là, en retirant les règles pas intéressantes, parce que ça ne change rien au défi de terminer ce niveau en mini-champi, les règles sont donc... que je n'ai pas droit au Yoshi, mais il n'y a pas de Yoshi dans ce niveau, que je n'ai pas droit au checkpoint, ce qui est plutôt emmerdant, que je n'ai pas droit aux étoiles, je suis obligé de finir le niveau donc en mini-champi, mais ça j'ai déjà dit, et je suis obligé de tuer aucun ennemi sauf si c'est obligatoire. Donc à part Bowser et Bowser Jr, je ne pense pas que j'aurai besoin de kill de mob. Mais on a sauvegardé, donc je devrais pas refarmer le mini-champi à chaque fois quoi. On aura juste à reset le niveau. Ouh yo. Non mais en fait j'ai speedrun le jeu toute ma vie quoi. Non mais en fait j'ai créé le jeu là. C'est même pas je le speedrun, c'est je l'ai écrit. Oh oh. Bon bah comme d'habitude hein, j'ai ouvert ma gueule trop rapidement donc va ta mère chill 9000. Ok, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais c'est terrifiant. Alors l'avantage de le faire en mini champi, hein. L'avantage de le faire en mini champi. Bon, Peach. J'arrive et je vais te buter. Mon but, faire comme mon défi sur Mario Bros DS. Je le fais du premier coup. M'entendez? Du premier coup. Et là, par contre, tous les sauts que je vais faire sont nécessaires. Ok? Y'a pas de saut pas obligatoire. Là, tous les sauts, c'est pour ma vie. Regardez la différence de taille, hein. Je suis en mini, c'est encore pire, quoi. Non, mais... Attends, c'est quel bouton qu'il faut faire? Fallait faire le bouton B, je suis débile, je l'avais. Boum. On court, on continue tout à droite, on court, on ne s'arrête pas. Ok, go go go! Non, mais Mongol. Non! J'ai perdu. Oh non, ça va, ok, ok. Je suis pas mort, mais pourquoi est-ce que ça marchait pas? Mais non, mais... Je suis où? Ok, je suis là. Mais connard, hein! Boum! Alors! Peut-être. Alors peut-être, alors peut-être. Alors peut-être qu'on le passe first try. Alors peut-être. Préparez vos emotes les gars. Préparez vos emotes. Soit j'en aurai plein le cul, soit je serai l'homme le plus heureux de la planète. Non mais... Mais pourquoi? Mais attends, j'ai secoué la manette donc du coup ça fait bugger tout. Oh. Let's go, putain! Yes! Putain, j'ai réussi à battre Bowser et Bowser Junior du premier coup en mini champi! What the fuck? Let's go!
Allez, pitch, monte tes fesses. J'imagine pas la réaction des voisins s'ils m'ont entendu dire « Allez, monte tes fesses ». YouTube, par pitié, abonnez-vous et venez sur Twitch, ce défi. Bon, j'aurais pu plus galérer, mais bon, voilà. Je pense avoir fait une démonstration de mon skill, raison de plus pour venir follow la chaîne, hein, voilà. J'insiste, mais il faut venir sur Twitch. Vous n'êtes jamais au rendez-vous. Vous ratez des dingueries comme ce qu'on vient de faire là. Likez la vidéo, commentez, partagez, voilà. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chilé. Portez-vous bien. Salut.